Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader of Europa Universalis 4 avec la conquête ibérique, et nous sommes dans des gros morceaux de guerre. Vite en arrière, là on a besoin de renforts, au maximum. Parce qu'on va se faire attaquer. Ah non, ils veulent plus attaquer, bien évidemment. Reste là, toi viens ici. Non, va là et toi va à Togourte. Ouais, c'est des grosses batailles qu'on subit actuellement. On a quasiment mis fin à Tlemcen. On avance, doucement mais sûrement. Non mais, tu con. Bien sûr que non, il va pas venir. Hop. Voilà. Une fois que tout le monde est en place, on pourra continuer d'avancer. Et Tlemcen est en train de vouloir la paix, mais moi je ne veux pas, hein, parce que on pourra récupérer plus. Plus on récupère, mieux on sera. Et qu'en plus il faut que j'atteigne les territoires suivants avant de me rendre chez... De finir la paix avec Tlemcen. Oh les Siciliens, vous êtes chiants! Tout ça parce que je leur ai enlevé de l'autonomie. 7 avril 98, ouais. Ça va péter à un moment ou à un autre. Et j'ai pas de quoi transporter les armées. Et vous, on vous envoyez, ouais, venez ici par sécurité, parce qu'on n'a pas énormément. Enfin, on a nos troupes et celles de nos alliés, mais c'est pas super sécurisé. Ils sont moyens, tout le monde il est moyen, c'est très bien. Je verrai si avec Tunis je peux faire une paix, une toute petite. Je demande pas grand chose, hein. Tunis, je les ai attaqués pour m'attaquer aux deux autres. Mais je veux récupérer ceci. Et je veux récupérer à Tunis, rien en fait. Y a rien qui m'intéresse limite. Peut-être Sousse ou Tatawin, parce que c'est cool, mais sans soi, j'ai pas de territoire majeur à récupérer. Là, bon bah, Constantine a été pris, très bien. Bien, tu vas aller là. Hop, avec ceci, on va. Qui nous attaque? 30 000, ils sont lock. Trente mille contre 80 000, ça devrait le faire quand même. Ah oui, s'ils imposent pas des renforts, ça va être un gros clash. Tendu. Tendu, on résiste, hein, mais c'est tendu. Voilà. Ils ont abandonné. On va en profiter pour avancer là-dessus. Avancer là-dessus. Non, avancer nulle part. Reculer. Et reculer un peu aussi. C'est pas un fort. Très bien. Non, toi tu vas reculer. Et toi tu vas rester. C'est pas un fort. Ici on va y laisser. Ah ben il nous faut. C'est tout ce qu'il nous faut. On va essayer de voir s'il y a du monde qui peut nous rejoindre. Allez, franchement, faites-moi tomber cette province. On est à moins 35. On va d'abord attaquer. Je ne peux pas. Bon bah, on se sépare. Ici. Non, attaque Sfax. Tu peux pas attaquer Sfax. Chier. Toi, tu peux attaquer ici. Toi, tu avances. Toi, tu recules, mais zéro de manpower, 40 000 de nécessaires pour finir la guerre. Pourquoi 0%? C'est toujours à cause du fait qu'on n'ait pas Sfax. Mais pour prendre Sfax, il faut qu'on prenne ceci. J'ai... Oui, on va éviter de dire d'attacher tout le monde ici. Ici, on peut améliorer doctrine d'influence. Non, je vais garder les points. Diplo. Je vais peut-être demander d'aller attacher, par contre, ici. Ainsi, ça envoie les hommes à venir se regrouper dans ce coin-là. Siège de Dara. Alléluia. Ici, on peut toujours pas aller. Là, on peut pas. Là, on peut pas. Là, on peut pas. Là, on peut. Tu vas aller là. Là, tu vas avancer là. On avance comme on peut. Ah, très bien. Ici, on peut pas avancer parce qu'il y a les bateaux.
Attends, non, les bateaux normalement sont pas au port. Pourquoi je ne peux pas... Ah, je peux avancer. Je peux avancer quand les bateaux sont attaqués, ok. Toi, tu peux avancer... Ah, tu peux aller sur Sfax, très bien. Non, tu vas pas sur Sfax. Tu vas rester là. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas venir ici. Voilà. mille, on a perdu la moitié de l'armée ici. Ou alors c'est juste parce qu'ils s'en sont, ils sont partis. Reste là plutôt. Ouais, on va faire revenir. Toi, on va te laisser là. Va plus. Ah. Non, on va les laisser avancer. On va les laisser choisir. Une fois que toi tu t'es lock, je t'attaque. Ou alors je préfère attaquer. Je préfère attaquer eux. Et toi tu te replies. Tu les laisses passer. On les attaque juste après, hein. Pas de soucis, mais... Ici toujours pas, là toujours pas. Allez, tenez bon les Français. Alléluia. Bon bah pas besoin. Ok, là on peut pas. Voilà. Pourquoi à un moment on pouvait aller jusqu'à jusqu'à ici? Je ne sais pas. À un moment on a pu. On pouvait faire tout un détour. Genre toi tu pouvais y aller. Mais... Je suis hyper concentré. Et j'aimerais bien finir cette guerre dans cette semaine, hein, avant vendredi. Mais j'aimerais surtout survivre à cette guerre et j'ai plus du tout de réserve. Si j'en sors un... En fait, le fait, c'est que si je sors ceci sans avoir... Il faut que je prenne Sfax. Une fois que j'aurai pris Sfax, notre score, il va faire... Là, c'est combien? Moins 16, donc on va passer à plus 16. Je monte pas énormément après, hein. Oh, c'est bon, ils sont sur des gros sièges. On en a pour un moment avant qu'ils les prennent. Voir. Celle-ci. Celle-ci, c'est Canada, Canada, Californie. Ah lol, j'ai trouvé les Mamelouks. Les Mamelouks qui sont en Californie. Et le Mexique qui s'attaque à l'anglais qui est en train de perdre contre la Louisiane anglaise. C'est rien. Ici on n'a pas, là on a personne. Non non, franchement le Mamelouk qui envoie des hommes là où il faut. On peut dire ça. Hein. Allez, tombe, franchement. Tombe et ainsi on fait commence à faire avancer de ce côté-ci. Par eux et les trois armées ici vont s'occuper de prendre manger ceci. Genre toi tu vas prendre Sfax, toi tu vas aller sur Tunis, non toi tu vas aller récupérer Sous, elle ira Sfax et elle Tunis et lui il prendra les tout petits. Je sais que tu veux sortir, mais je le sais mon enfant, mais pour pouvoir que tu sortes il faut laisser tomber ton fort. Ah, une nouvelle colonie. Hop, c'est celle-ci qui est finie. Ben avec ces hommes on peut plus rien faire. Hop, on va la démanteler. Ici c'est en cours. Je préfère garder deux. Alors un autre endroit où c'est plutôt calme. En Amérique du Nord je pense que ça peut être calme. En Amérique du Sud on a tout pris. En Amérique du Nord il reste quelques zones. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... On va coloniser le Canada. On peut faire une colonie canadienne. Hop. Allez. Bizert doit tomber dans cet épisode. Sfax ce serait bien, mais Bizert c'est vraiment le plus important. Bizert est tombé. Alors toi j'ai dit que tu irais prendre Sous. Toi tu vas prendre Sfax et toi tu vas libérer... Tu vas d'abord sur Bizert et puis tu iras prendre Tunis. Alors ici, vu qu'on a fini, il y en a qui vont sur Sfax, toi tu vas ici, toi tu vas là, toi tu vas là, et toi tu restes... Tu vas aller ici. Hop hop hop.
Ah, ils sont positifs maintenant. Ils se sont relevés. Alors qu'il y a un de leurs ennemis qui veut, enfin, un de leurs alliés plutôt qui vient de s'échouer. Sous, ça a été pris. Très bien. Non, tu vas faire, tu vas aller sur là. Hop, ce qu'on va faire, c'est pour gagner un peu de thunes. On va reformer les rangs. Par contre, ouais, j'ai évité de dire à tout le monde de s'attacher. C'est stupide. Non, mince, crotte. Pris Bizerte, Tunis. Nous avons pris celle-ci. On va les avoir. Je préfère envoyer des renforts avant de passer. Je préfère. J'assure mes arrières. J'assure. Et là, on a entièrement quitté Tlemcen. Eh ben, Tlemcen, je t'annonce que tu as l'honneur de pouvoir inaugurer une paix. Alors, je prends ces deux-ci. C'est celle 71%. Ok. Et je prends toute ta thune. D'accord. Je peux rien prendre d'autre? Si j'efface l'offre et je veux plutôt que tu libères Alger. Non. Je veux que tu rendes rien du tout, hein, c'est toi Tunis, donc on s'en fout. Je veux que tu libères. Je voudrais que tu libères. Non, tu n'as rien. Donc on va vraiment prendre ces deux-ci. Et toute ta thune. Ah, tu n'as plus autant. Je pourrais donc te prendre une autre province. Ah oui, j'ai dit que je voulais les deux ici plutôt. Ah, il accepte. Avec ces deux-ci, plus ces deux-là, plus toute sa thune, il accepte. Ainsi, ça me donne l'état de Tunis. Hop. Première guerre finie. Et pourquoi on ne peut pas? Parce que j'ai pas les points, peut-être? Si j'ai les points, c'est parce que je ne dois pas être à côté. Et ça, ce sont des révolutionnaires, TMC1. Espagne. Tellement moche maintenant. Ah oui, c'est vrai, prochaine... comment dire, colon, je viens de le mettre ici. Hop, ici, convertir, on va éviter... Non, on peut convertir. Avec les deux. Ici, ben, on peut rien faire en attendant. Là, on va attendre, et non, bon, je pense qu'on s'est très bien débrouillé. Moins 18, oui, mais moins 18 parce que... moins 18 dû au fait que tu possèdes la province revendiquée, et qui ne va pas tenir, d'ailleurs. On dirait qu'elle est en mousse, ta province. Hop, toi, avance. Toi, mets-toi ici. Non, on va attendre de prendre la province, et puis on verra. Chauffera, oui. On va... Non, tu vas descendre ici. Allez, on y est presque. 64 grâce au bateau français. Ouais, à mon avis, ça reste pas vu qu'ils font des allers-retours. Mais si on, une fois qu'on aura fait tomber Tunis, enfin, qu'on aura pris Tunis qui vaut 1% et qu'on aura récupéré leur province. Sfax est tombé, 6% de guerre. Mais ils sont au sol. Hein. Hop, là ici, vous. Un ici, un ici. Toi, je t'ai dit que tu allais à Sirte. Très bien. Alors, je voudrais une paix. Je te propose une paix. Là, je ne peux pas parce que je ne l'occupe pas. D'accord, il faudrait que j'aille occuper. Et pour ça, je vais recruter... J'ai recruté deux mercenaires que je vais déplacer. Pourquoi pas? Hop, même pas si deux mercenaires, ainsi on est sûr. Et je veux prendre vraiment cette province. C'est celle qui m'intéresse le plus. Là, je n'y arriverai pas à la prendre, malheureusement. Hop, commence à avancer. Mais franchement, oui, il n'y a que cette île grecque qui m'intéresse pour le moment. Les Maltais, pression implacable. Les Siciliens, pression implacable.
Non, parce que là, je suis en pleine guerre, en fait. Je sais pas si vous avez compris le concept. Hop, on a contrôle, on a récupéré Tunis. Ici, on n'avait pas demandé deux mercenaires. Non, bah très bien, on en fait qu'un. D'accord, je veux voir ceci, d'accord, on peut le prendre, oui, mais niveau technodiplo, ah, ça me dérange. Alors en France, ça se finira en 805, même avec les occupations que l'on a faites. Ah, super. Donc si je voulais déclarer juste une paix et prendre ceci, à la limite, ils accepteraient. Je vais continuer, hein, ça fait partie de la même zone. C'est pas beaucoup. C'est vraiment des provinces qui me font envie. Va aller jusque-là. Toi, tu vas aller jusque-là. Toi, tu vas aller jusque-là. Toi, tu vas aller jusque-là. Toi, tu avances ici. Et toi, tu avances là. Hop, en file indienne. J'ai cru que c'est quoi, c'est des transports? Il y a des transports, je ne fais pas confiance. Alia Mamelouk. Tant qu'on y est. Ouah, une grosse forteresse ici aussi. Ah, je sais pas, j'ai eu des... Non, c'est la bataille navale. Okay. J'ai cru qu'ils allaient écraser mon mercenaire. Pauvre mercenaire. Alors, je demande ceci et ceci. Jusqu'à là, ça va. Je demande que tu annules tes revendications sur Métidja. Ah, tu ne veux plus. Je demande ceci. Tu veux pas? Tu as combien? Moins 40. Sous. Parce que franchement, ça... Oui, on va faire ça. On va essayer d'arriver à 40 points. Ça te demande combien avec ces trois-là? 13 points de... Non, 32 points de score de guerre. Et pourquoi refuses-tu? Supérieur. Oui, on va essayer d'atteindre le score de guerre demandé alors. Peut-être que Mamelouk serait prêt à... Non. Il voudrait pas. De toute façon, ce serait con. Ça m'empêcherait de prendre mes îles grecques là-bas. Toi, on va t'éliminer maintenant. Tu n'es plus nécessaire. Hop. Là, on laisse les Français faire. Toi, peux-tu rentrer? Oui, tu peux rentrer. Si tu évites, ce sera très bien et va à Tolède. Ton armée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il nous manque 58 000 hommes. Ok. Joie. Ne inquiétez pas, on est en backup en cas de souci. Ici, il faut voir la conversion. De toute façon, on a lancé des conversions religieuses dans le coin. Et on ne pouvait pas, déjà parce que ça se fait convertir. Non, je veux savoir. Si nous sommes en guerre. Ah, c'est parce qu'on est en guerre contre un pays qui considère ses provinces comme légitimes. C'est-à-dire Tunis qui considère ces deux-là comme légitimes, je suppose. Ouais. Et là, on a coupé l'accès à l'Atlantique pour Tlemcen. C'est une chose magnifique, quand même. Ne trouvez-vous pas 5e mondial? Je pense qu'on s'est quand même bien rattrapé. Avec un peu démarrage moyen, pour une première repartie, ça va, hein, mais c'est pas le meilleur démarrage qu'on ait fait. On est pas mal, hein, 5e puissance mondiale. J'aimerais bien voir les autres, mais je ne peux pas. Tunis veut la paix. Je te propose une paix, mais tu refuses. Je demande pas grand-chose. C'est pas comme si je demandais, genre, Sfax en plus, là, tu vois. Là, je comprends que tu refuses. Alors, je demandais tout ça, je comprends. D'ailleurs, on va demander tout ça. Et celle-ci en plus. Pourquoi pas? Je comprends que ça te dérange, parce que bon, bah, voilà. Mais moi, j'ai envie d'une station balnéaire, là, dans le coin. Avec un peu de désert, histoire que mes compatriotes puissent partir en vacances. Et là, je demande pas grand-chose, je demande deux petites provinces qui appartiennent à la Grèce, donc c'est parce que... Regarde, la Grèce, on l'a. On l'a formée, la Grèce. Enfin, on l'a intégrée. Parce qu'elle est en voie de disparition. C'est pour son bien qu'on l'a fait. Je le rappelle, c'est pour son bien, quand même. Non, mais... Intégration forcée des... Faut pas utiliser des vilains mots. C'est quoi tout ça? Avec tout l'argent que l'on a, on va également construire de nouveaux terrains d'entraînement.
Ça va aider parce que là on est à 800 hommes par mois. Ça chauffe un peu, hein. Il me faudrait 50 000 hommes par mois. C'est ça Jérusalem? Al-Quds? On n'arrivera jamais à Jérusalem, c'est mort. Moi j'ai fait mes demandes, hein. Tiens, peut-être que tu as une autre guerre? Non, pas d'autre guerre. Allez hop, on va avec les Français parce qu'ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas de faire les cons, j'ai l'impression. C'est une IA. Ne leur en voulons pas, c'est une IA. C'est pas facile à gérer une IA, je comprends. Mais ils font les cons quand même. Culture intégrée, je pense que je devrais en avoir des nouvelles, non? Quoi encore culture? C'est dans gouvernement? Oui, je peux intégrer une nouvelle culture. Celle qui est le plus présent, c'est le congolais. En même temps, vu notre colonie là-bas. Oui, je sais, Tunis. Je te... Ouah! Pourquoi 100% d'un coup comme ça? D'accord. Que voudrais-je? Je voudrais que... T'annules ton alliance avec les Mamelouks. Et avec Killua. Avec Mayran. Ça, on s'en fout, Mayra. Marian. Je voudrais plus que ça, alors. T'abandonnes tes revendications sur Mitidja. Ok, et je vais te prendre... T'as pas de libération. Je peux pas aller leur prendre autre chose dans ce coin-ci. Non. Plus ils sont en train d'avancer. Non, ils sont là, donc ils pourraient attaquer. En soi, non, je veux pas que t'abandonnes ton alliance avec Mamelouk. Avec Killua, oui. Avec Mamelouk, non. Et donc, je voudrais ces trois provinces en plus. 100%. Je comprends pas pourquoi le 100%. On n'a rien fait. Non mais j'aimerais bien voir les... Hein, victoire complète des attaquants. Ah, je sais pourquoi. Ils sont dit on se rend, on se rend. Ah, ah le misclic. Ok, ça je peux. Je peux prendre tout ça. Je sais, ça fait beaucoup. Mais je fais tout ça. De toute façon, des guerres, on n'aura pas des grosses... beaucoup de nouvelles. Hein. Hop, alors. Toi, tu vas là-haut. Toi, tu vas là-haut. On va les déplacer petit à petit. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas te mettre ici. On va te transporter avec nos super bateaux. Ok, jusque-là, c'est bon. Toi, tu vas aller en Espagne également te ressourcer. Et toi, idem, tu vas venir ici et on te transportera vers la Sicile. Ah, quelle joie cette guerre. Franchement, quelle joie cette guerre. J'ai enfin ma vengeance contre le Mamelouk. Et maintenant, légitimation. Ça va coûter bonbon. Voilà. Il me restera ces deux-ci, mais je dois attendre la fin de la conversion, qui se finit bientôt. Alléluia. Espagnol-Maghreb. Prochaine étape. On pourra redéclarer la guerre. Tunis. Tunis, c'est un OPM, maintenant. Et il n'est allié qu'à Mamelouk, plus à Tlemcen. D'accord. Très bien. Légitimé. Parfait. Et je ne peux pas légitimer, je n'ai pas les points, je me fais du plus 9. Il faudra attendre encore un autre mois. Soulèvement, je sais, je vais aller m'en occuper de cela. Hop. Ouah, tout le monde est ici. Recule, hein, on va pas se stacker. Non, c'est vrai que... Ah mince, tu pourras pas aller plus loin, c'est bon. Oui. Je suis con, il faudra les transporter à la mano. Toi qui restes, super. Tu viens, tu vas te déposer là. Je m'en fous. Je ne déclare plus de guerre avant un moment. Est-ce que ça a ralenti 1809? C'est bon, ça reste dans les temps. Hop. Toujours à zéro. Hein. Indépendance élevée en Argentine. Enfin, volonté d'indépendance élevée en Argentine. Qui me rapporte rien, du coup. Je vais améliorer les relations.
Et ici, bon bah ici, ah je peux légitimer le dernier. Très bien. Que puis-je faire de ces points? Je vais les économiser. Hop. Je vais également venir ici. Les soulèvements, c'est juste le Sicilien pour le moment qui se pose souci. Ensuite, il y a tout ce qui est Tlemcen, tout ça, mais on va envoyer des... Tlemcen, on a pris quoi? On a pris ceci. Voilà, ça les calme. Un minimum, super. C'est vrai qu'on va envoyer les bateaux ici. Venez là, venez là. Ainsi, on va envoyer au moins une armée ici. Et on enverra des armées sur le continent. Toi. Vous deux, on va vous laisser dans la zone. Vous deux, vous allez patrouiller. Ce qu'on va faire également, c'est ceci. Pour celle-là, bon bah celle-là, elle a servi de tampon. Hein. Elle s'est pris deux batailles sur la, en plein milieu, donc ok. Donc toi, tu montes en bateau. On va t'envoyer ici à Agadir. Et le suivant, le bateau qui devrait arriver très bientôt, on va l'envoyer en Espagne, je pense. Hein. Pas tous les stacker ici, donc on en fera en Espagne. Valachie alliée à Bohème et Autriche, donc on va pas déclarer. Ferrare, beaucoup trop de monde. Dépendance qui s'énerve, oui, mais je pense que l'Argentine, ça va se calmer avec le temps. Ça se calme. Parfait, donc toi j'ai dit, tu retournes sur le sur la mère patrie. On va t'envoyer ici, à Valence. Sur le fort. Très bien. Comme ça, tout le monde y est content. Niveau thune, on se fait du combien? Plus 12. Ça se justifie combien pour les forteresses? 25. Hop. Forteresse. Nécessaire. Où sont-elles nécessaires? Ben ici, elle est nécessaire. C'est la seule, je pense. C'est la seule. En fait, non. Toi, tu vas rester ici. Et celle que l'on va... Où est-elle? Ah, ben ici. Dernière. C'est cette armée-là. Et là, on va quand même lever. Par contre, celle-ci n'est... Ah, celle-ci est tellement mieux. On va la lever aussi. C'est con, celle de Tunis est toute pourrie, en fait. On l'a jamais améliorée. Hop, dépendance, elle se calme. Soulèvement, ça devrait arriver dans le prochain épisode. 42 000. 11 000, le TLMC1. Des Corses. Les Corses sont pas contents. Encore une fois, ça doit être... Vu qu'on a diminué la... Comment dire... qu'on a diminué leur autonomie. Ils sont pas contents. Donc cette armée-là, avant de l'envoyer sur le continent, on va également l'envoyer ici. Encore ces gars. Encore ces gars. Ah, qu'est-ce que... Hop, donc bateau. Direction la Corse. Ensuite, tout le monde prend des vacances. Hein. Encore ces gars. Voilà, ici ça calme. Soulèvement, donc il y a vraiment les Siciliens qui risquent de péter. Probablement à Palerme. Ok, ici, les Tlemcéens, ils vont surtout à Ifni. Ok. Les Corses, ben en Corse. Les Génois à Gênes. Non, Albenga. Donc c'est, oui, c'est l'ancien, c'est là où il y avait Gênes. Particularis Castillan. Pourquoi? Un peu partout. Graffrenay, le Cap. Ok, en Afrique du Sud. Graffrenay, tout ça, le Cap, ici. Pourquoi? Lassitude de guerre, oui, non, ça va passer. Lassitude de guerre, on va la réduire. Sur expansion, c'est bon, ça va se... C'est des choses qui vont pouvoir se calmer assez vite. Bon, bah, sur ce, vu qu'on a tout rétabli, on va se laisser ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.